Yo les gens, c'est Kero, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour un nouvel épisode sur mon let's play de Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Donc rappelez-vous, dans l'épisode 6, je crois que c'est ça, ouais, l'épisode 6, eh bien on avait réussi à récupérer le commandant Spetsnaz dans l'autre base. Je ne sais plus, attendez, je vais voir. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est la carte. Je crois que c'était ici ou bien c'était là, je ne sais plus. Bref, on avait réussi à récupérer le commandant. Donc je vais vous montrer ça, liste des missions. C'était la voix du héros, voilà. Éliminer le commandant du détachement de Spetsnaz. Ouais, donc voilà, ça, on l'avait pas tué, on l'avait extrait par ballon fulton après bien des péripéties dans l'épisode 5. J'avais échoué, j'étais mort. Et donc on avait recommencé dans l'épisode 6, enfin bref. Et après j'étais retourné dans la Mover Base, pardon, et c'est le commandant second Miller qui nous a dit « Ouais, viens à la base d'urgence et tout. » Donc nous on est allé, puis en fait c'était pour son anniversaire le 1er novembre, parce que j'avais dit que le 1er novembre c'était son anniversaire, même si Big Boss pense pas que ce soit le 1er novembre. Et après on avait fait une petite mission secondaire ici, où les soldats sont revenus. Parce que j'ai quitté le jeu après l'épisode 6. Enfin voilà, je pense avoir fait le tour. Et aussi on a récupéré un petit chien qui doit nous attendre dans la Mover Base. Donc on va y aller à la Mover Base. On va appeler l'hélicoptère. Hop. Rendez-vous. Juste ici. Et on va appeler le cheval aussi. Il est où? Cheval. Ah, t'es là. Désolé, je t'avais pas vu. Hop. Avec sa petite visière et tout. Allez. Hop, cette fois-ci, je me trompe pas de touche pour accélérer avec le cheval. Ah, parce qu'en fait, c'est chiant parce que je passe d'un jeu. Ah, attends. Ah, c'est vrai qu'on peut récupérer les animaux avec le ballon fulton, donc ça peut être des n'importe quoi, ce qui est au sol, même des oiseaux et tout, ceux qui volent, des aigles, tout ça, on peut les récupérer aussi. Donc on va rencontrer toutes sortes d'animaux, hein, des chèvres, des ours même aussi. Les ours, ça va être un peu plus compliqué. On verra ça plus tard. Ah, voici l'hélico. Go! Et donc dans cet épisode 7, je pense vous faire une mission principale et une mission secondaire si on a le temps. Déjà une mission principale. Bon, déjà on va retourner à la Mover Base, voir si le petit chou est arrivé à destination. Est quand même magnifique ce jeu, hein. Y a rien à dire. Il a fait du bon boulot, Kojima. The long time in the field is bad for the body and mind. I think it's time you took a break. Do it for me. Come back to Mother Base ASAP. C'est ce que je comptais faire, Miller. Pas de souci. J'arrive à la Mother Base. Prendre une petite douche aussi, parce que. Pas dans le jeu, mais en temps réel, ça fait plusieurs jours que j'ai pas joué. Ça fait bien une semaine. Et aussi, il y a une mise à jour sur le jeu. J'ai été étonné qu'il y ait une mise à jour après que Konami ait démantelé son équipe et tout. Il y a eu une mise à jour, donc je sais pas trop ce qu'elle apporte. On verra bien. Mitch, here's the dog you brought back. Bit of a troublemaker. Not sure about the breed, though. He'll get bigger? Like this.
You know, I can look after him. He's still a pup, so he doesn't listen. I have a feeling someday he'll be useful. I suspect you've discovered a real diamond in the rough. With a little polish, I say we got a true diamond dog on our hands. D.D., right? Ocelot raising hounds. Fine. Come on, D.D. Et donc voilà, on a retrouvé notre petit cheveu, donc Ocelot qui l'a appelé Didi, en référence au Diamond Dogs, notre unité. Et donc on sait pas trop si c'est que c'est comme race. Enfin moi je dirais plus que c'est un loup. Il a une tête d'un loup quoi. Et puis on a vu aussi qu'il avait l'œil crevé. On va prendre une petite douche. Hop. On a vu aussi qu'il avait l'œil crevé comme Big Boss. Ils se sont bien trouvés ces deux-là. Donc après, dès qu'il grandira, je pense qu'on pourra... Salut. On pourra l'emmener sur le terrain avec nous. Enfin, c'est pas pour tout de suite. Alors, est-ce qu'il y a des choses à faire sur la Mover Base? Chercher développement, recherche... Est-ce que on peut améliorer des trucs sur l'hélico? On va aller voir ça. Alors... Ça on l'a. Ouais, y a tout qui est bloqué. Pas trop amélioré encore. Arme objet. Qu'est-ce qu'on peut s'acheter? Un sniper, ça me serait bien utile. On peut pas la. Attendez. Sniper, c'est. Où est-ce qu'on voit ça déjà? Ah oui. Niveau de l'équipe R&D 14, actuel 6, on n'est pas encore, il nous faut plus de personnel. Lance-roquette c'est niveau 12. Ça les leurres, ça aussi ça sera pratique les leurres, vous verrez bien. Le C4, pas encore. On peut rien améliorer pour l'instant. À part les armes, mais bon, les armes, j'en ai pas trop besoin pour l'instant. J'essaye de rester furtif le plus possible. Alors que le chat, il est passé sur le lit. Je sais pas si vous l'avez entendu. Qu'est-ce que je voulais faire de moi? Je ne sais plus. Attendez. Non bon je pense qu'il y a rien d'autre à faire. Donc bon on va enchaîner avec une mission principale. Écoutez, on va appeler l'hélico. Hélicoptère, rendez-vous. Hop. Et ouais donc je pense que c'est pas dans pas longtemps qu'on pourra améliorer la Mover Base. Je crois qu'il nous reste encore une ou deux missions principales et ça devrait être bon. Allez, salut mon gars. Hey dodo. Et on est parti. Pour vous dire franchement, je sais même plus c'est quoi la mission principale qu'on va faire là. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, ça fait longtemps que j'ai fini le jeu aussi. On verra bien. En tout cas, ça fait plaisir de rejouer à ce jeu quand même. Enfin, moi, les Metal Gear Solid, je pourrais tous vous les refaire.
Alors. Side ops list updated. Il y a des nouvelles opérations secondaires. On va aller voir ça. Bonus du jour. Ah oui. J'ai reçu un petit bonus aussi. Alors, les bonus. Récompense. Qu'est-ce qu'on a reçu? Du métal courant. Ça peut toujours servir pour les améliorations, tout ça. Ah non, c'est ça que je voulais voir. Non, c'est pas ça. Oh, je ne sais plus. Écoutez, on va faire comme on a dit, une petite mission. C2W. Détruisez les équipements de communication des solides. Ah oui, je me rappelle. Elle est pas évidente, celle-là, je crois. Accepter la mission. Et on est parti. Alors, sélectionner l'équipement. Arme principale. On va garder ça. On n'a rien d'autre. L'arme secondaire aussi, c'est pareil. On a celui-là, mais bon, je vais rester avec le pistolet silencieux pour endormir. Arme de soutien. C'est bon. On a tout ce qu'il faut. Les objets, je pense que c'est pareil aussi. Ouais. Bon, on est bon. Choix du coéquipier, ben, on garde le horse. On va pas prendre de l'uniforme. On va changer. Hop. Voilà. Et on est parti. Alors que vous devez entendre un bruit de sèche-cheveux. D'un côté, c'est ma mère qui se sèche les cheveux. Désolé. Les aléas du direct. Et aussi, désolé pour la qualité du micro, je sais qu'il n'est pas top, mais bon, je devrais changer assez rapidement de micro, je pense. J'attends d'avoir les sous-sous. Allez, c'est parti. Épisode 4, C2W. Et si vous voulez pas être spoilé, ne lisez pas les noms des personnages aussi, encore une fois, je vous le rappelle. You need to disable the Soviets' reinforcement system by putting a hole in their base-to-base comms network. Head for the Eastern Communications Post and destroy its comms equipment. First, use the binoculars to locate the communications equipment at the facility. Ok. Donc on va aller devoir détruire leurs moyens de communication. Mais ce qui m'arrange pas, c'est qu'on n'a pas de C4, ça aurait été plus simple. On va trouver un autre moyen, ne vous inquiétez pas. Hop. Et donc la mission, elle est là-bas. Alors le moyen le plus simple, ouais, c'est d'aller tout droit, tout simplement par là. Pourquoi faire ça? En voyant s'il n'y a pas des choses à récupérer sur la route, des animaux ou des plantes. Ah tiens, pas. Je vais essayer de capturer un mouton. Hop. Alors que j'entends un véhicule, on va aller se manquer. Il est où? Je crois qu'il arrive par là. Ouais. Donc vous voyez, ça aussi, il faut faire très attention. Alors que là, le D-Horse, il va se faire écraser. Non, ça va, il est pas... Oh putain. Traite pas mon cheval, toi. Ouais, c'est ça, dégage. Il est fou, lui. Et donc, du coup, le mouton, il est où? Où est le mouton? On a perdu le mouton. En fait, il est là. Il y en a même deux. On va essayer de les capturer, les deux. Ah. On va l'endormir. Arrête de bouger. Bon, attendez. Je vais pas galérer sur un mouton, quand même. Vous êtes où?
What? Ah. Putain. Toi. Sun will set shortly. Allez, dors. Merci. Ouais, quelle furée, toi aussi. On l'a touché, je crois. Je suis pas sûr. Là, c'est bon, non. Ah, merci. Bon, désolé, c'est gaspiller des balles de pour rien, je sais, mais... C'était pour vous montrer, voilà. Hop. Salut. J'adore. On va récupérer le deuxième. Et il commence à faire nuit. Nickel. On sera plus discret. Alors qu'il y a une mini base là-bas. On va se la faire, hein, aller sur le chemin. Bah, je crois que c'est la même qu'on avait fait la fois précédente, je suis pas sûr. Ça y ressemble. Je crois que c'est celle-là, ouais. Il n'y en a pas d'autres. Non. On va se les faire les deux. Descends s'il te plaît. Merci. Je vais essayer de pas utiliser le pistolet parce que j'ai déjà bien entamé là avec les boutons. On va essayer de faire ça proprement. Alors, viens par là toi. Ah ouais, mais l'autre il a entendu, je crois aussi. Ça c'est pas bueno ça, tout ça. Hop. Pas de bruit, s'il te plaît. Non, ça va, il a pas entendu. Ah, mais attendez, on peut les interroger maintenant, c'est vrai. Ah, il y a des prisonniers pas loin. Ok, bah fais dodo. C'est rien d'autre à me dire. Écoute. Et donc il y a des prisonniers pas loin. On va aller voir ça sur la carte. Donc vous voyez, ils peuvent nous dire plein d'informations qui sont assez utiles. Ah, prisonnier, il est là. Ah, mais le problème c'est qu'il est pas sur ma route. Bon, écoute, on n'est pas obligé de le faire, hein. On va se concentrer sur la mission principale. Hop, toi je testerai aussi. Est-ce qu'il y a des choses là-dedans? On va aller voir. Non, rien d'intéressant. Bon. Allez, hop, on appelle le cheval. Et on est reparti. Oula, 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 calme-toi. Ouais, donc je pense qu'on aura le temps de faire que la mission principale. On essaiera de faire une ou deux missions secondaires la prochaine fois. Pour varier un petit peu. Ouais, ce let's play, je vous le dis, je vais prendre mon temps. S'il doit faire 50 épisodes, il fera 50 épisodes. S'il doit faire 100, et ben, il en fera 100. C'est pas un souci. Et on est bientôt arrivé. Oh putain, je les avais pas vus. Descends. Ouf. Heureusement, je les ai vus. Hop. Alors, comment on va faire pour les avoir ceux-là? On est même pas obligé de les faire, on peut passer à côté si on veut. Ah, on entend une autre voiture.
Ah, ça par contre, si vous mettez de dos, ça peut le faire. Ah, il y a une plante ici, on ramasse. Alors. Extraction arrived at Mother Base. Je vais tenter quelque chose. Pas sûr que ça marche. Attention. Hop, tais-toi. Voilà, c'est pas ça que je voulais tenter à la base, mais j'ai pas voulu prendre de risque. On va vous extraire, les gars. Hop. Et hop, voilà. You made it. First, use the binoculars to locate the communications equipment at the facility. Your destination. Ok, donc on est arrivé. Ah, il y a un mec avec un projecteur ici, faut faire gaffe. On va se mettre ici. On va essayer de tous les marquer avant d'y aller. On va se mettre plus en hauteur si on peut. Ça serait cool. De l'absinthe, on prend. J'espère finir la mission aussi durant cet épisode, ça serait cool. Alors attention, j'entends une voiture quelque part. Ah, une tempête de sable, nickel. Ça c'est cool, on va pouvoir être plus discret. Mais par contre, niveau visibilité, vous voyez, c'est pas top. Mais pour les ennemis aussi, ils voient rien du coup. Ah. On va plutôt se mettre ici parce que j'ai peur qu'il y en a un qui arrive là. Et là on peut pas trop voir où est-ce qu'ils sont là. Donc on va rester planqué ici. L'occasion aussi pour vous dire que le jeu Rise of Tomb Raider, je pense pas le prendre à sa sortie, enfin pas dans les mois à venir, je pense me le prendre un peu plus tard. Et Star Wars Battlefront, lui par contre, je vais essayer de me le prendre à sa sortie. Donc vous aurez un épisode de découverte très bientôt. Alors ça se calme la tempête, on va pouvoir y voir plus clair. J'ai vu qu'ici il y avait des trucs à prendre. On va prendre. Hop. J'entends des soldats parler, mais je sais pas trop où est-ce qu'ils sont. Ils sont peut-être en dessous. Hop. Il y en a un là-bas aussi. Ok. On va avancer. Moi je sais où est-ce qu'il se trouve le matériel à détruire. C'est l'avantage qu'on a. On a déjà fait le jeu. Faut faire gaffe en haut ici. Y'a personne. On va prendre le diamant. Ça faisait longtemps. Hop, on prend tout. Voilà. Je vais checker à combien de minutes on est. Ah ouais, déjà. Ça va être chaud de finir durant cet épisode la mission. D'autant plus que, attendez. Pour détruire le truc, est-ce que j'ai... Ah oui, j'ai des grenades... Ah si, si, j'ai du C4, pardon. Je vous ai dit des conneries. J'ai du C4. Thinking of using C4? Oui. It's an explosive that you detonate by remote control after you've planted it. Je compte utiliser le C4. Hein. Il y a ça aussi à détruire qu'on peut. Ça en fait, si on détruit la grosse parabole, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, notre hélico pourra atterrir ici. Mais avant ça, il faut avoir fait le ménage.
J'ai peur de... Okay. Ah si, il y en a un là, juste ici. Hop. Est-ce que tu vas te retourner, toi? Bon allez, on prend le risque. Hop. Oh, nice. Hop. Voilà, je vais pas trop parler maintenant. Parce que là, ça risque d'être tendu. Et donc c'est ça qui a à détruire. Les grosses radios là. On va prendre la musique. Hop. Eh hey, putain. Ouf, c'est bon. Ça, ce qui est bien, le petit temps qu'on a de sursis, ça c'est plutôt pratique. J'entends quelqu'un marcher. Ça me rassure pas tout ça. Ah, il y a quelqu'un qui l'a vu. On va essayer de le choper. Il est où? Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Ouais, viens par là. Viens par ici que je te chope. C'est ça, bonne idée. Vas-y, viens. Hop, hop là. Voilà. Nickel. Bon, revenons à nos moutons. On va récupérer ça, les petites affiches. Ça, on peut les accrocher, je crois, là, dans notre Mover Base. Bon, j'ai pas... Quand j'ai joué, j'ai pas trop fait ça. Enfin, c'est des petits trucs qu'on peut faire, mais bon. That radio transmitter is used to relay messages between outposts. Take it out and the mission's complete. Non, enlève-moi la boîte, s'il te plaît. Merci. Moi, c'est le C4, voilà, que je veux. Hop là. Je vais même tenter de détruire la parabole. Je vais essayer. Elle est là. Hop. Je crois qu'une seule, ça suffit normalement. Et donc maintenant, il faut s'éloigner. On se casse. Bon, je les fais pas tous, hein. Clairement. Hop. On y va. On va se mettre ici, ça devrait aller. Vous allez voir, ça va péter dans 3, 2, 1. Hey. Et voilà. On a fini la mission. Maintenant, tout ce qui nous reste, c'est quitter la zone. On se casse. Il y a un truc ici. Ouais. On prend. Donc bon, j'ai pas décidé de nettoyer la zone parce que voilà, on aura d'autres occasions de le faire dans d'autres missions. Là, vu qu'on approche de la fin de l'épisode, je me suis dit on va essayer de faire ça le plus rapidement possible. Et je passe à côté de trucs aussi, mais c'est pas tellement grave. Allez, on se casse. On va appeler l'hélico. Rendez-vous. C'est juste ici, nickel.
Ah oui, puis j'ai oublié de vous faire écouter des cassettes. Bon, j'y penserai la prochaine fois, c'est pas grave. Parce que les cassettes, c'est important de vous les faire écouter. On apprend beaucoup de choses sur l'histoire très très importante. Hop, on récupère tout ça. Ouais, t'inquiète pas. Je pense pas qu'ils vont arriver par là. Bon, bah, au moins une mission qui se sera passée sans accro. À part que je me serais fait repérer, mais bon, avec le petit temps de sursis, j'ai réussi à l'avoir sans qu'il alerte ses compagnons. Je vois les cassettes, où est-ce qu'on en est? Ah ouais, j'en ai pas mal encore, j'en ai 20. Enfin 20 en comptant la musique, ouais, donc en tout j'en ai 7 à vous faire écouter. Donc ça va quoi. Sachant que les par cassette ça fait 2-3 minutes. Enfin il y en a c'est plus long. Mais bon ça va quoi. Je vous ferai écouter ça la prochaine fois. Allez, on se casse. Yeah. Ça fait plaisir. Extraction arrived at Mother Base. Mission complete. Great work. Et donc voilà les stats. Ah, rang B seulement. Je crois que j'allais. Ah bah non, parce que je me suis fait repérer, c'est vrai. Bon, c'est pas trop mal rang B. Hein. Écoutez, on n'est pas là, comme je vous ai dit la dernière fois, pour faire que des rangs L, des rangs A. Donc vous avez les petites statistiques. Hop. Ok. Et donc on va voir la cinématique, enfin le générique de fin à chaque fois. Dun, 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 dun. Récompense. Encore des cassettes, je vous ai dit. Ça, on va en avoir des cassettes. Ah, ça y est. Maintenant, on va pouvoir améliorer la Mother Base. Donc, je vous montrerai ça la prochaine fois. Our army is growing like crazy thanks to you, boss. In fact, it's getting downright crowded around here. To bring a greater number of people on board, we'll need to expand our facilities. To that end, I've created a base development unit. It has two roles, material refinement and platform construction. I'll start with the material refinement part. The base development unit procures material resources on a regular basis according to its level. The materials are stored in containers and placed on the deck of Mother Base. Once they're finished being processed, they can finally be put to use. By using these materials to build new platforms, we'll be able to add a greater number of staff to our ranks. We don't need any specific instructions from you to refine the materials, but I want you to be the one to decide how we construct platforms. Once we have sufficient GMP and the required material resources, you can issue construction orders from your iDroid. Et donc voilà, on pourra construire une autre plateforme pour notre Mother Base, ça c'est cool. Et comme il a dit, c'est qu'on n'aura pas besoin forcément d'aller à la Mother Base pour le faire, on pourra le faire directement quand on est en mission ou bien sur le sol Atkan avec notre hydroïde, on pourra le faire, ça c'est plutôt cool. Mais je vous montrerai ça plus en détail la prochaine fois. Donc ça c'est les soldats qu'on a récupérés, c'est pas terrible, un rendez. Mais une fois qu'on aura amélioré notre jumelle, on pourra repérer les soldats, ceux qui sont leur rang, quoi, s'ils sont A, B, B, C, D, enfin vous avez compris. Et ça sera plutôt utile. Alors est-ce qu'on va se choper une petite cinématique? Je ne sais plus. On va voir ça avant de vous laisser.
Ah, c'est bon. Boss, we've received a back channel request from Langley. We're to find a piece of new American military hardware that's gone missing in the mountains of Afghanistan. It's a difficult mission, but I'd say you're back in top form by now. Check your iDroid for the details. Ok, ben, on verra ça la prochaine fois. Et donc, ben, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et donc, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos avis, vos conseils. S'il y a des choses à améliorer ou pas. Et donc, ben, je vous retrouve pour l'épisode numéro 8. J'ai du mal avec les chiffres en ce moment. Je crois que c'est ça, ouais. Je vous retrouve pour l'épisode 8 très prochainement. Et donc, d'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Et puis voilà. Allez, salut tout le monde!